je vais lui donner un Golgot. Bon, petit Goliath, ça va faire du bien, petit. Hein? Attends, je vais te chercher un Goliath. On va voir s'il va manger le Goliath. Je pense qu'il l'a senti. Mais regarde. Ah, qu'est-ce que je dis ici? Regarde. Qu'est-ce que je fais? Merde. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai? Une note. Oh, c'est bien mangé. Mes grillons qui chantent en haut. Allez, mange. Oh, regardez, il attaque, il attaque. Oh, il attaque un spu. Oh, voyez, voyez. T'as rien de manger. Oh, je pense que c'est un petit peu trop gros pour lui. J'aurais dû commander un plus petit. J'aurais dû commander un plus petit. Mais il n'avait pas le plus petit, il n'y avait pas plus petit que ça. Non. Ouf. Ouais, je pense que c'est trop gros pour lui. De toute façon, il veut le couper en deux. Il veut le couper en deux, puis. Là-dedans, il y a plein de vitamines, plein de bons nutriments pour sa croissance, puis. Comme ça. Logis. Vous voyez le jus, non? C'est pour mon doigt, là. Bon. C'est pas vous voyez le jus, mais là, le jus, non? Au bout de mes doigts, là. Dans ses pattes, là. On rapproche encore. De toute façon, il va couper en deux, comme hier, quand j'ai mis la pissenlit, donc de couper l'affaire en deux, mais là. Vous entendez mes grillons commencent à chanter là, parce que là j'ai acheté une cage exprès pour eux non? Une affaire exprès pour eux non? Bon, on va fermer, on va laisser un petit peu tranquille. Ouf. Ah j'ai oublié que j'étais sur une pente. Ah fils de pute. Ah voilà. Bah je suis sur une pente. Oh, il a même pas mangé. Il va manger après. C'est pas rire. Voilà, on va s'éloigner un petit peu. Enfin, je pense que c'est trop gros pour lui. Je pense que c'est un petit peu trop gros pour lui, non? Bah tu vois qu'il veut te retenter genre. Quand il regarde, tu vois qu'il veut te retenter. Ouais, il est trop beau pour lui.
le couper là, puis je vois qu'est-ce qu'il va faire. Je vais le laisser tranquille, puis je vois s'il va manger, non. Je pense que je vais mettre ça dans sa gamelle. Mais je pense que moi, je pense qu'il va manger un petit peu dans sa gamelle. Mais c'est 37, mais pour me prendre comme ça dans sa gamelle, non. Ben, il a explosé. Tu vois qu'il tente ça, qu'il veut le râler, mais. Mais je pense à cause de moi quand je voulais fermer la le truc là. Il a eu peur, tu vois. Bon, attendez. Je vais reprendre puis je vais voir qu'est-ce qui va arriver. C'est tranquille. Vraiment, j'ai hâte de l'apprivoiser. Vraiment, non. J'ai vraiment hâte de l'apprivoiser. Juste, il est indépendant, ça. Indépendant, ce fils de pute. Bon.